Shane, je suis là. Désolé, ma belle. J'ai été distrait. Sors ton portable, tu verras. Le flic que j'ai soudoyé m'a enfin donné accès à leur caméra. Tu regardes un flux vidéo en direct. Et alors? C'est juste des flics? Oui, des flics chargés de protéger le commissaire. Un homme que je suis très pressé de rencontrer. Mais pour ça, il va falloir se débarrasser de son escorte. Je vais pas descendre tous ces types juste pour que t'aies ta réunion. Je vais faire diversion. Je ferai du boucan pour les obliger à sortir voir. Comme tu le sens, Trésor. Si cette réunion se passe comme je l'espère, je prendrai le contrôle de Seattle pour les années à venir. Et ton frère et toi, vous pourrez filer. Du boucan, c'est parti. Mon frère. Il est dans un bâtiment à trois pâtés de maison d'ici. Je te laisse t'en charger. Et c'est tout? T'as entendu le commissaire? Tu quittes la ville et je suis un homme riche. Et tout le monde est content. C'est pas comme si te tirer dessus était efficace. Quand je sortirai d'ici... Je sais, poupée. C'est pour ça que je vais m'assurer que ça n'arrive pas. Tu comprends? Chaque fois que je sentais monter la panique, je me concentrais sur Brent. C'était la seule chose qui pouvait me calmer. Je me raccrochais à un bon souvenir.
Bren savait que si on quittait pas la ville, je m'en sortirais jamais. Il s'est mis à prendre des risques pour se faire du fric. Il voulait acheter un bateau et passer au Canada. Je lui ai dit que c'était dingue. Mais quand je l'ai vu rentrer avec des dents en moins, je me suis reprise. J'ai voulu raccrocher. Il m'a soutenue pendant ce calvaire. Je lui dois tout. C'est mon frère. Je l'aime. Et rien ne pouvait m'arrêter. Shane avait Brent. Sans un accord, comment je pouvais le récupérer ? Comment avez-vous pu vous échapper du tunnel ? Auriez-vous développé un autre pouvoir suite à votre crise de panique ? Oui, oui, je vous ai fait des cacheteries. Encore. Ok, je vais vous le montrer. Amenez-moi quelques types. Impressionnant. Mais pourquoi me montrer ça maintenant ? Cet entraînement, il fonctionne. Je me sens bien. Donnez-moi un truc plus costaud. Ok, mademoiselle. Suivez les lignes jaunes. Restez au milieu du hall. Vous semblez avoir quelques démons personnels. Le porteur qui crée les hologrammes de combat est obnubilé par un jeu vidéo sur les démons. Je n'aime pas trop l'esthétique, mais leur potentiel formateur est indéniable. Ils vous pousseront dans vos retranchements. Allez, mademoiselle, ne fuyez pas vos problèmes. N'hésitez pas, affrontez-les. C'est le monde de leur faire mal, n'est-ce pas ? Nous sommes des porteurs qui vivons dans un monde avec eux et nous. Et nous devons nous défendre. Créatures n'existent pas, mais la satisfaction que vous ressentez en les tuant est bien réelle. Pensez à Shane, canalisez votre haine pour gagner en puissance.
C'est ça. La rage vous permet de contrôler votre environnement. Nous sommes des porteurs. Le monde se plie à notre volonté. Vous y avez pris du plaisir, semble-t-il. Laissez-vous porter et libérer votre potentiel. Vous réalisez de quoi vous êtes capable. Les porteurs qui peuvent tourner le dos à leur passé ont bel et bien un avenir. Alors dites-moi comment se termine votre récit.